Au sommaire de ce 7 minutes, journée mondiale des droits de l'enfant célébrée chaque 20 novembre. En Côte d'Ivoire, la direction de la protection de la jeunesse annonce que des jeunes pourront présenter leurs revendications aux autorités nationales et décideurs politiques. À l'occasion du 30e anniversaire de son existence, l'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire inaugure son siège situé dans la commune de Cocody, plus précisément à Angré 8e tranche. Et puis nous reviendrons sur la victoire des éléphants face au Tchad. L'équipe du sélectionneur ivoirien Faye Emers s'est imposée 4-0, qualifiant les éléphants pour la CAN du Maroc 2025. Voici pour le sommaire, bienvenue. Santé mentale, hygiène menstruelle, paix et cohésion sociale. Ce sont des plaidoyers que présenteront plus de 100 jeunes issus des localités de Soubré, Kong et Touba à l'Assemblée nationale le 25 novembre prochain. Annoncé à la presse à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant, l'objectif est de permettre aux jeunes de présenter leurs revendications aux décideurs et aux autorités nationales afin d'influencer positivement les politiques publiques en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Une initiative de la Direction de la protection de la jeunesse sous tutelle du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. La santé mentale des adolescents est un sujet qui mérite une attention particulière, surtout dans un contexte où les défis émotionnels et psychologiques sont de plus en plus présents. Et l'Assemblée nationale, il faut aussi le savoir que c'est l'institution qui porte la voix du peuple, parce que les députés sont justement élus pour parler au nom du peuple. Avec l'appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, cette approche vise à garantir que les voix des jeunes soient entendues par ceux qui ont le pouvoir d'agir, maximisant ainsi l'impact et l'efficacité de leur plaidoyer. Je voudrais dire que ce qui se passera le 25 novembre à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une faveur que nous faisons aux adolescents et aux jeunes, mais c'est vraiment leur droit d'être entendus, c'est leur droit de pouvoir influencer les décisions là où ils pensent qu'il reste à faire pour que leurs droits soient respectés comme il se doit. Pour rappel, ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de plaidoyer par les adolescents et jeunes tenu d'avril à juin 2024 dans les localités de Kong, Soubré et Touba. Par ces gestes symboliques, l'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire procède à l'inauguration de son tout nouveau siège à Angré 8e tranche. Objectif, faciliter les réunions et les travaux des urbanistes pour le développement des villes de la Côte d'Ivoire. Notre siège aujourd'hui qu'on a à Cocody, c'est la représentation de notre port, c'est pour la visibilité de notre port, et c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est disponible tant pour l'État de Côte d'Ivoire que pour la population. Et nous sommes à même d'apporter notre pierre à la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle. Siège comporte 5 pièces, à savoir le bureau du secrétaire exécutif, une salle d'attente, un secrétariat, une salle de réunion, une salle permanente, ainsi qu'une salle technique. La réalisation d'un film institutionnel, l'organisation de formations et l'édition d'un magazine scientifique sont les prochaines actions de l'Ordre. Ça va permettre encore de mieux s'organiser, d'avoir un local où on peut se réunir dans de meilleures conditions et on pourra également recevoir ensemble nos partenaires, permettre à l'Ordre de se mettre en ordre de bataille pour sa grandeur et pour le développement de nos villes et le développement de l'urbanisme. Pour rappel, l'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire a célébré son 30e anniversaire le 8 novembre dernier, coïncidant avec la Journée mondiale de l'urbanisme. L'évaluation de l'état de préparation au numérique, le programme digital Flagship for Africa Côte d'Ivoire. Voici les deux initiatives majeures visant à accélérer la digitalisation en Côte d'Ivoire que lance le programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation avec le soutien de l'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire. Mise en œuvre par le PNUD grâce à un financement du gouvernement italien, ces projets visent à catalyser les opportunités de développement numérique en tirant parti de l'expertise et du financement italien pour concevoir une initiative bancable à plusieurs volets sur la connectivité et les infrastructures.
d'une transformation numérique qui va profiter toutes les Ivoiriens. Une transformation numérique qui ne laissera personne de côté. Dans notre vision, les axes prioritaires de ces projets devraient être le renforcement des infrastructures numériques pour réduire le gap entre les milieux urbains et ruraux. Le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Khalil Konaté, salue cette initiative qui, selon lui, est un catalyseur pour la vision numérique prônée par le président Alassane Ouattara. J'ai lancé il y a de cela une semaine le programme national de connectivité rurale. Et ce programme national de connectivité rurale vise à faire en sorte que toutes les localités de Côte d'Ivoire aient une infrastructure numérique. Pour rappel, selon le rapport digital 2024 Côte d'Ivoire, le taux de pénétration d'Internet dans le pays s'élevait à 38,4% de la population au début de l'année 2024. Ils ont terminé en beauté les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Mardi 19 novembre, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les Sao du Tchad 4-0 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Au terme du match, les deux entraîneurs reviennent sur les performances de leurs joueurs. On leur a demandé de mettre beaucoup de pression à l'adversaire parce qu'on voulait qu'ils étouffent et on savait aussi que si... Dans les attitudes et dans les comportements, on était agressif, on allait avoir le public avec nous. Donc non, on a vraiment insisté sur ça, sur la solidarité, sur l'esprit de commando. On n'a pas été assez bon dans la dernière passe, le dernier geste ou certains choix. On a été bon dans la conservation du ballon à certains moments, mais voilà, il faut encore développer. Grâce à cette victoire, les champions d'Afrique restent à la deuxième place de leur groupe, derrière les Chipolopolo de la Zambie, et se qualifient pour le Maroc 2025. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.